Esta es la primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Esta es la segunda llamada.
Tercera llamada. Comenzamos. Et en ce moment, nous commençons le festival de musique. C'est un moment spécial dans lequel nous commençons les célébrations du 100e anniversaire de la division interaméricaine. Dieu aime la musique. Jésus aime la musique. Le Saint-Esprit aime la musique. Et nous aimons tous la musique aussi. Et en ce moment, nous sommes ici pour célébrer à travers la musique. Nous avons comme maître de cérémonie le pasteur Melchor Ferreira et son équipe qui s'occupe du programme pour nous guider tout au long du concert. C'est un moment très spécial. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous en ce moment. Les universités de la division interaméricaine partageront avec nous des musiques spéciales. La division nord-américaine et la division sud-américaine participeront également à ce grand concert. Soyez tous les bienvenus. C'est un moment très spécial. Profitons ensemble de la musique du ciel. Que Dieu vous bénisse en cette heure. Amen. Avant de commencer ce programme, nous allons consacrer quelques instants à la prière. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, Seigneur, car tu es bon et ta miséricorde est éternelle. À cette occasion, nous te dédions ce programme musical, Seigneur. Nous voulons que chaque hymne, chaque louange honore ton nom. Et nous te demandons aussi d'accepter ces moments, Seigneur, comme une offrande de nos cœurs, de nos vies à toi. Alors, bénissez ce programme. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Célébrer sa providence, affirmer nos valeurs. Et maintenant, avec vous, pasteur Melchor Ferreira et professeur Vanessa Villalobos. Bienvenue Vanessa. Bienvenue pasteur. Amis, bienvenue. Aujourd'hui est un jour de fête. Aujourd'hui, nous célébrons la providence de Dieu et affirmons nos valeurs. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui a commencé en 1922. C'est l'histoire de Interamérique. Vanessa, c'est une belle histoire. Oui, pasteur, c'est merveilleux et c'est la main puissante de notre Dieu qui a guidé les plans de cette grande division. Elle a fait grandir chaque champ dans 42 pays, étant un instrument d'évangélisation dans ce vaste territoire. Imaginez Vanessa, c'est 100 ans d'histoire. 100 ans que nous allons célébrer aujourd'hui en ces 100 ans le pasteur Henry et son équipe, ainsi que les 3,7 millions de membres se joignent à nous pour cette grande célébration. C'est vrai? Pasteur Ferreira, et il est vrai que dans le monde entier, la division interaméricaine est l'une des divisions qui compte le plus grand nombre de paroissiens. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui avec la joie au cœur. Plein de gratitude pour ce que Dieu a fait avec Interamérica tout au long de son histoire. Et quand nous parlons de l'histoire de Vanessa, nous parlons du fait que l'histoire est toujours liée à la musique. Elle est liée à la célébration. Lorsque le peuple d'Israël a dédié la muraille, il a appelé les Lévites de partout. Et ils sont venus louer le nom du Seigneur en cette grande occasion. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le même objectif. Car nous voulons louer le nom de Dieu.
pour les merveilles qu'il a faites en Interamérique. À cette occasion, l'orchestre et la chorale de l'université de Montemorelos, Vanessa, chanteront pour débuter ce concert de gala. Écoutons attentivement. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria.
Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Oh, nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Oh, ce matin, nous adorons El Shaddai. Oh, nous élevons ton grand nom ce matin, Papa. Le Mexique, les Caraïbes, l'Amérique centrale et les cinq pays les plus au nord de l'Amérique du Sud constituent le territoire de la division interaméricaine. C'est un beau territoire, et Vanessa, voici des personnes très engagées, au caractère joyeux, toujours impliquées et n'ayant pas peur de prêcher l'évangile, qui tout en prêchant chante. Et le fait est que la musique a toujours été présente depuis la création elle-même. Par exemple, lorsque Dieu a créé toute chose, le livre de Job dit que les étoiles du matin et tous les fils de Dieu l'ont loué. Amen. Dans l'Apocalypse, il est mentionné que le paradis est un lieu de culte. Amen. Et écoutons. Écoutons un préambule de ce qui sera une belle célébration avec un quatuor venant de l'Université Adventiste d'Amérique centrale. Écoutons. Cómo agradecer, Señor, por tu gran bondad, que sin merecer, tú nos das para tu amor mostrar. Y las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, pues lo que soy y lo que espero ser lo debo todo a
salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Glorifique tan solo a ti, y si el orgullo entra en mí, llévame, Señor, al Getsemaní. Getsemaní, con su sangre me ha salvado. Ont marqué cette belle expérience de croissance. Cette marche de la foi en ascension. D'une église qui s'engage dans sa mission et qui n'a peur d'absolument rien. C'est pourquoi elle a mélangé la prédication, la mission et le chant et la louange. Aujourd'hui, nous devons écouter une de nos missions d'études des Caraïbes. L'Université des Caraïbes du Sud, écoutons cette chorale. You.
42 pays représentent la division interaméricaine. Ces 42 pays qui sont mélangés dans une diversité extraordinaire, mais avec la même foi, avec la même mission, avec la même vision. Bien que nous ayons trois langues différentes, anglais, espagnol, français, nous nous unissons dans cette merveilleuse expérience de culte pour le 100e anniversaire de la division interaméricaine. Mais pas seulement le territoire interaméricain. Ce que nous allons entendre ensuite, c'est une chorale en visite d'une division sœur, d'un pays frère, l'Université de l'Union péruvienne, et son chœur polyphonique auront un chant de louange pour le centenaire. Écoutons. Thank you.
La déclaration de mission de l'Église adventiste du septième jour de la division interaméricaine est la suivante. Glorifier Dieu, et sous l'influence du Saint-Esprit, amener chaque converti à expérimenter une relation personnelle et transformatrice avec le Christ, permettant aux croyants de devenir un disciple qui partage l'Évangile éternel avec tous. Merci à Dieu de nous avoir fait participer à cette mission. La déclaration de vision de la division interaméricaine dit: chaque membre du corps de Christ, vivant en se tenant prêt pour le royaume de Dieu, cela implique de vivre dans la joie. Cela implique de vivre avec un chant dans nos cœurs, alors que nous voyons des milliers de personnes descendre dans les eaux du baptême. C'est un motif de louange. C'est pourquoi la chorale de l'Université Adventiste de Colombie se joint à cette célébration pour nous dire que ce que nous touchons doit chanter à Dieu. Tout ce qui inonde nos cœurs doit louer le Seigneur. Écoutons cette chorale. Oh.
Dans le cadre de cette célébration, nous voulons vous parler d'appel et d'engagement. Tout au long de ces 100 ans, la division à travers ses domaines et ses institutions a appelé des milliers de personnes à remplir cette tâche. Il est donc important que nous puissions comprendre que Dieu nous a appelés. Il m'a appelé et nul autre que l'un de nos leaders, l'un des anciens présidents de la division interaméricaine, le pasteur, le docteur Israël Lieto, chantera pour nous. Il m'a appelé. Écoutons. Cuando hay tantos hombres que pueden servirle, me llamó a mí. Hay hombres de ciencia con grande elocuencia. Me llamó a mí, hombres de autoridad, con gran personalidad, que pueden al mundo mover. No logro entender la razón de mi ser. Le seguiré. Yo vivía una vida sin Dios hasta que Él dijo: ven a mí. Dejé pues al mundo y vine porque Él dijo: ven a mí. Yo fui enterrado, orgullos pasados, pues sé que con él viviré. Sé que mientras yo sigo fielmente a mi Cristo, feliz por siempre. Él me dijo así: ven a mí. No pude esperar cuando Él me llamó. Mi vida, mi Cristo À ses débuts, l'Église adventiste du septième jour a établi des objectifs et des ministères essentiels pour les atteindre. Aujourd'hui, nous sommes 18 ministères à travailler au nom de notre Église. Des enfants, des femmes, des anciens, des hommes, des enseignants, des laïcs. Un grand nombre de pasteurs, une grande armée, l'Église est une Église qui marche comme le monde. Mais qui s'adapte aux défis qu'elle rencontre avec l'espoir d'atteindre le ciel. C'est vrai. De plus, Vanessa, rappelons-nous que la prière, la louange, le chant
est aussi la parole des représentants du Christ qui sont ces laïcs à travers l'Interamérique. Représente la préparation spéciale d'un peuple spécial pour le royaume des cieux, pour la patrie céleste. C'est pourquoi nous vous invitons à vous réjouir avec nous dans cette célébration. Nous continuons à célébrer et nous continuons à écouter ces merveilleux chœurs de nos plus de 13 universités en Interamérique. Aujourd'hui, l'Université des Caraïbes du Nord nous apporte une merveilleuse chanson. Écoutons. De la perfection, nous sommes une église dirigée par des femmes et des hommes qui ont besoin chaque jour de se consacrer à Dieu pour faire de leur mieux. En 100 ans, nous avons grandi, mais aussi les défis et les problèmes que cela implique. Mais loin de nous inquiéter, nous sommes reconnaissants à Dieu Tout-Puissant. Car nous avons vu comment il s'est manifesté. La providence divine a également utilisé des pasteurs, des dirigeants et des administrateurs, pour que, même s'ils sont imparfaits, ils se laissent guider par le Saint-Esprit.
À présent, Vanessa, l'âme, est élevée au ciel sur les ailes de la louange et de l'adoration. Le chant au trône de Dieu est réel. Et il semble que, lorsque nous exprimons notre gratitude, nous nous joignons également au cœur céleste dans cette louange de gratitude pour la merveilleuse façon dont Dieu nous a conduits dans le passé et continue de nous conduire maintenant. La chorale d'université adventiste de Linda Vista se joint à cette gratitude dans ce beau chant. Todo lo que ha creado Dios. Alce su voz para cantar, su voz para cantar. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra de quebranto. Con amor me guía. Aleluya, aleluya, aleluya. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria y en el Golgotha murió. Aleluya, 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 aleluya. Yo canto el poder de Dios del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la dorado y brillante sol y luna de plateada luz. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. ¡Aleluya! El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. ¡Aleluya! La maravilla de su amor la observo por doquier. Aleluya, 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 aleluya. Todas las cosas adorad con humildad al Creador. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Toda creación, alzo mi voz para cantar. Ay, ay, amén. Les unions et les conférences de la division interaméricaine sont unies dans l'accomplissement de la mission. Et avec elles, les pasteurs, les responsables laïcs
les anciens, les familles pastorales, les secrétaires ministériels, les chefs de groupe, en bref. Mais tout au long de ces 100 ans, beaucoup de ceux qui furent nos pionniers se reposent attendant le matin glorieux de la résurrection. Nous avons perdu un grand nombre d'entre eux dans cette pandémie, et cela a été très triste. Cependant, nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons unir nos voix dans le matin glorieux de la résurrection. Alors maintenant, nous voulons chanter et louer le nom de Dieu avec gratitude à travers ce chœur de pasteurs de la Conférence des Caraïbes du Nord. Écoutons-le. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then the light from heaven filled my soul. He paid my heart in love, and wrote my name above, and just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus, let us tell him all about troubles, hear our faintest cry, answer by and by. When you feel a little prayer will turn in, then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. All right, I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Have a little talk with Jesus, let us tell him all about our troubles, he will hear our faintest cry. Makes it right. Have a little talk with Jesus, let us tell him all about our troubles, he will hear our faintest cry, he will answer by and by. When you feel a little prayer will turn in, then you'll know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right. Jesus makes it right. You will find a little talk with Jesus makes it right. Certains d'entre vous qui suivent cette émission et qui sont probablement des pasteurs, des leaders ou des membres d'église se souviennent de la façon dont Dieu a été bon dans le passé pour son église et de ses humbles débuts dans l'histoire. Des débuts pleins de sacrifices. Nous sommes devenus ce que nous sommes vraiment aujourd'hui dans l'Interamérique. Nous avons uni nos vies à celles de nos pionniers dans le passé. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer les grandes merveilles que Dieu a faites pour nous. Alors le cœur de l'Université Adventiste de Navojoa se joint à cette gratitude. Cordero del Señor,
Vanessa, nous avons terminé un merveilleux après-midi de louanges et d'adoration. Cela a été un après-midi incroyable. Nous voulons donc inviter nos amis, nos frères, les membres d'église à se joindre à nous pour le début de cette célébration. Dans leurs maisons, dans leurs églises, autour de leur famille. Il est temps de célébrer, car il est temps de se rappeler, Vanessa, que nous pourrons être ensemble dans la patrie céleste, quand le Christ viendra et nous rejoindrons le cœur des anges pour louer et adorer Dieu. Pasteur, continuons à célébrer sa providence et à réaffirmer nos valeurs. C'était une soirée extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Un gros câlin pour vous. Vous savez, chaque sabbat, chez nous, dans notre famille, nous chantons un cantique spécial qui se trouve dans le psaume, le livre des psaumes de la Bible. Et en fait, c'est le cantique pour le jour du sabbat. Et qui dit ce qui suit, psaume 92, verset 2, à partir du verset 2. « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel.
que tes pensées sont profondes. Et ce chant-là, nous le chantons régulièrement chaque sabbat. Et je suis très heureux que la famille de la Division interaméricaine, nos amis, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour chanter à l'Éternel ses œuvres grandes qu'il a réalisées pour notre Division interaméricaine. Et je veux profiter de l'occasion pour vous remercier chacun de vous pour avoir participé à ce moment de louange à Dieu. De vous être unis à tous ces jeunes, ces chorales, ces chœurs, ces invités spéciaux que nous avons eus pour célébrer les bienfaits de l'Éternel. Et je veux vous inviter à continuer pendant toute l'année 2022, cette année que nous appelons l'année du centenaire de la Division interaméricaine, à chanter, célébrer l'Éternel. Pour la Division interaméricaine, mais pour chacun de nous dans notre vie particulière. Dieu vous bénisse et vous donne un chant nouveau chaque jour. Nous laisse prier. Père Céleste, nous te remercions pour ce festival de musique. Qui marque le lancement d'une série d'activités. Célèbre et reconnaisse ta bonté envers cette grande division. Sans aucun doute, nos cœurs ont été touchés et sont heureux à la suite de l'inspiration et des bénédictions reçues. Par conséquent, nous nous engageons à vous servir en tendant la main aux autres et en particulier à la communauté. Bénis, Père, nos efforts pour toucher des vies alors que nous cherchons à te représenter correctement. En cherchant à suivre les traces de ceux qui l'ont précédé. En s'engageant dans la fidélité, le dévouement et la loyauté. Bénissez et gardez-nous. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.